Bonjour Joël Mergui, Bonjour. président du consistoire central, consistoire israélite central également, le CRIF et le consistoire que vous présidez. Donc on demandait à Emmanuel Macron de suivre l'exemple de Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour le président français, la décision de son homologue américain est, je le cite, « regrettable et contrevient au droit international ». Est-ce que vous déplorez, est-ce que vous êtes déçu par la position d'Emmanuel Macron En faisant cet appel, j'ai voulu simplement redire une vérité historique. Une, euh, le président Trump a rappelé quelque chose, une évidence historique que Jérusalem est la capitale d'Israël, et j'aurais aimé que le président français euh, le rappelle également. Euh, ça n'ampute pas la suite des négociations, la possibilité de la paix, mais de redire que... Ne pas laisser le doute dans l'esprit euh, du monde arabe et des Palestiniens sur le risque euh, et sur Jérusalem. Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est une évidence historique et ce serait bien que la France le dise au moins sous cette forme. Euh, mais Jérusalem, euh, dans sa partie est, ne pourrait pas, en toute hypothèse, devenir la capitale d'un futur État palestinien Ce n'est pas, pas à moi de, de, de le dire, ça, ça fait partie des... Non mais dans votre vision des choses Non mais euh, moi j'ai une vision... En tant que président de la communauté juive en France, ouais. j'ai une vision euh, de l'histoire du peuple juif. 2000 ans d'histoire, 2000, 2000 ans de juifs dispersés dans le monde qui ont tourné leurs prières vers Jérusalem. Dans quelques jours, ce sera la fête de Hanouka. Chacun sait qu'on allume les bougies de Chanukah partout dans le monde. C'est le lien qui a gardé le peuple juif permanent avec Israël et avec Jérusalem. Le reste, la négociation qui doit aboutir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, leur appartient. N'appartient pas à des commentateurs dans le monde, aussi avisés soit. ils Quand vous entendez Emmanuel Macron dire que cette décision, au-delà du fait qu'elle soit regrettable, contrevient au droit international, donc aux résolutions de l'ONU notamment, euh, qu'est-ce que vous entendez vous, vous le comprenez, cette, cet argument-là Je, je, je l'entends, je, je ne suis pas un expert du droit international, mais il y a des experts du droit international qui ne sont pas d'accord avec cette position. Donc, euh, je, je, je redis encore, il y a le droit international. Il y a une réalité. Est-ce que le président français pense que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël ben, Ça me gêne qu'il puisse le penser. Ça me gêne parce que quand j'entends Mahmoud Abbas répéter sur les chaînes palestiniennes que Jérusalem est totalement une ville islamique et que les juifs ne pourront pas y mettre leurs pieds immondes et que personne ne le répète, quand on, on laisse le doute et quand on fait des déclarations dans le monde libre, c'est-à-dire dans le monde démocratique, qui sait ce qu'est le terrorisme aujourd'hui, qui ne le savait peut-être pas il y a 15 ans, mais qui sait ce qu'est le terrorisme, jusqu'où il mène, on laisse entretenir le doute chez les partenaires potentiels de la paix dans le monde arabe que Jérusalem pourrait ne pas devenir un jour la capitale de, de, de ne, ne pas être reconnue comme la capitale d'Israël. Jérusalem est la capitale d'Israël. Si un État palestinien est créé à côté d'Israël, ce sera la négociation entre Israéliens et Palestiniens avec l'appui des, des puissances mondiales de décider quelle sera la capitale. Vous pensez comme Donald Trump, donc que paradoxalement, si euh, cette position avait été prise depuis plus longtemps par la communauté internationale, ça aurait pu faciliter les négociations Absolument. On, on construit sur la, la vérité. On ne construit pas sur le déni de la vérité. C'est une vérité historique. Quand on la répète, on empêche le doute. Et quand on empêche le doute, on s'assoit à une table de négociation. C'est ma conviction. Ça a été ma conviction, vous savez, on, on, on parle d'intifada. Ça a été ma conviction au début des années 2000, quand je disais, il faut appeler le mal par son nom, quand on avait commencé à revoir une, un antisémitisme qui remontait en France. On ne disait pas d'où il était issu. C'est à partir du moment où on a vu Bataclan, on a vu Charlie Hebdo, on a vu le 14 juillet, qu'on a compris qu'il se passait une terreur islamiste qui était, euh, qui était djihadiste. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom pour pouvoir euh, faire avancer la paix. Jérusalem a un lien historique de filiation avec le peuple juif et c'est une capitale naturelle de, de l'État hébreu. Puisque vous en parlez, est-ce que la position du CRIF donc, et du consistoire ne risque pas de contribuer à réimporter, pour employer le terme qui a été utilisé il y a quelques années, réimporter le conflit israélo-arabe en France avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir J'espère qu'entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a eu une maturité du monde arabe et de la communauté musulmane en France. Euh, on s'est bien rendu compte. On s'est bien rendu compte que quand on parlait, je viens de le dire, d'importation du conflit en 2001, 2002, 2003, 2004, on s'est trompé. On s'est trompé, c'était simplement des prétextes à la violence, puisque c'est une importation du conflit ce qui s'est passé au Bataclan. C'est une importation du conflit le 14 juillet. C'est une importation du conflit Charlie Hebdo. La terreur islamiste, djihadiste mondiale, c'est une importation d'aucun conflit. Ce qui se passe en Syrie, en, en Irak, en Iran, dans, dans, dans tous ces pays du monde, ce pas une, ça n'a oui. absolument mais aucun lien avec Jérusalem et le conflit israélo arabe Maintenant, le monde l'a compris, alors on ne va pas nous le resservir régulièrement. Oui, mais là, en l'occurrence, la position du CRIF et la vôtre, celle du Consistoire, euh, c'est simplement ont de répéter un une un direct avec le conflit. Oui, mais vous savez. Mais que... pas du tout. On ne se positionne pas sur un conflit. On redit simplement une vérité historique. Que le monde musulman en France connaît. Oui, et, et Jérusalem connaît est au cœur du conflit. Oui, non, mais que Jérusalem soit la capitale d'Israël, je, je, je crois que la majorité des musulmans en France le reconnaissent. Qu'ils qu aient envie qu'il y ait une paix ou qu'ils défendent les Palestiniens, comme, comme tout citoyen du monde défend la légitimité des Palestiniens à, à vivre en paix, mais eh, ben, personne ne remet ça en question. Ce qui aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas remettre en question une vérité historique. Pardon d'insister, parce que c'est le cœur d'une déclaration simple. C'est euh, le lien trimillénaire du peuple juif avec Jérusalem. Est-ce que vous pensez que la majorité des juifs de France aujourd'hui soutient, approuve la décision de Donald Trump En tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, je, je tourne régulièrement dans ma responsabilité dans les différentes communautés juives de France. Euh, oui, on, je, je crois que c'est pas qu'elle approuve, c'est que la, les, les juifs du monde entier ont à travers leur histoire pendant 2000 ans. Sont, ont leur synagogue tournée vers Jérusalem, pris vers Jérusalem, et, et on, 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 on... je vais vous raconter une petite anecdote si je peux, si j'ai une minute. Hein? Trois, trois jours dans le calendrier de, du peuple juif, il y a des, des jours de deuil pour Jérusalem. Napoléon, il y a 220 ans, dans une de ses campagnes en Russie, a vu les juifs pleurer dans une synagogue. C'était le jour du neuf Av, je, jour de deuil national pour Jérusalem, et il a dit une phrase historique. Il a dit un peuple qui, dix sept siècles après la destruction de Jérusalem, pleure Jérusalem, mérite de la retrouver. J'aimerais que le président français pense la même chose. Sur ce qui risque de se passer euh, dans les jours qui viennent, et aujourd'hui en particulier dans les territoires palestiniens, vendredi, jour de prière, euh, vous craignez euh, une, une flambée de violence euh, importante, après notamment les déclarations du Hamas qui dit que Trump a ouvert les portes de l'enfer? Oui, je, on craint, on sait, on sait que le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements qui, qui sont prêts à tout. On craint, euh, on, on craint effectivement euh, euh, les, les répercussions et, et la violence, mais est-ce que la crainte de la violence doit empêcher de dire la vérité Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, on doit dire la vérité, on ne peut pas être dans le déni de vérité. Et, et il faut, je, je, je fais confiance à, euh, à, au monde démocratique pour empêcher que cette violence ne, ne se perpétue. Je dois rappeler que si violence il y a... Euh, les musulmans, les arabes qui vivent en Israël sont plus en sécurité en Israël que dans les pays arabes. Merci Joël Mergui, bonne journée.